documentaire événement. On les a surnommés l'Indian Wrecking Crew. Ce nom de guerre leur a collé à la peau et est devenu légendaire. Années 50, Harley Davidson versus Indian, la bataille fait rage. Guidée par la passion, l'équipe Indian est prête à tout. Les démolisseurs sont de retour. C'est que c'était des fusées. Personne ne les voyait gagner. Et ils ont pourtant fait des miracles. Et c'était les gars à battre à l'époque. Inédit, soirée spéciale, Indian, les maîtres du flat track. Dimanche à 20h55 sur Automoto La Chaîne. Super. Regarde ça. Regarde. Regarde le paysage. Ah, au lieu de me regarder moi. C'est pas le temps qui va user ma carcasse. On avait quand même des étapes de 500 km. Ce qu'il a traversé, c'est complètement physiquement, complètement hallucinant. Le froid. Le froid, moi j'étais comme ça sur la moto. Les mecs, ils essorent les poignets. C'est sportif quand même, hein. Faut faire les bornes. Hein. J'avais l'impression d'avoir avalé une perceuse en arrivant à l'hôtel le soir. N'oubliez pas qu'il y avait 72 piges, les mecs. C'était un dur à cuire. Une lettre à l'enfant que j'étais. Johnny, il a voulu nous emmener tous sur son Amérique dont il avait rêvé quand il était très jeune et qui se réalisait maintenant. Qui veut faire une photo avec mon appareil ? Johnny a vécu sur les routes toute son enfance. Je crois que c'est là où il était le plus heureux. Je vais chez les Indiens, je reste. Lundi, il était John Wayne, mardi, il était Easy Rider, mercredi, il était l'équipé sauvage, tu comprends ? C'était son truc. Que le mec, d'un coup, il y a un truc qu'il adorait parce qu'il était avec quatre potes à lui, en train de bouffer un hamburger dans un diner américain avec sa moto à côté. Il disait, c'est comme mes frères. La main sur le cœur, le poing serré, la main sur le cœur, on sait jouer, la pensée sans peur, sans rien lâcher. Il va continuer avec ce film à faire rêver les gens. À nos promesses, calme.